Bonjour, c'est Abibeur. Et on se retrouve donc sur ce que j'attendais, hein, avec impatience. Je pense que ça se ressentait un peu dans le fait que... Allez, si vous avez eu l'impression que j'ai bien un peu rush, donc l'acte 1... Ah ouais, je suis un peu désolé parce que du coup ça vous coupe un peu de plaisir de jeu. En même temps, ça vous force du coup à l'acheter, comme ça vous ratez moins de détails. Vous découvrez plus de détails si vous l'achetez, du coup. Hein, ça, c'est un gros plan de business. Mais, c'est vrai que j'étais un petit peu quand même pressé de finir et de finir à temps. Et donc, de pouvoir jouer à l'axe 2. Il faut savoir que je me suis rien spoil. J'ai juste regardé les deux premiers trailers, c'est-à-dire celui qui est sorti en 2019 et le premier qui est sorti en 2020. J'ai pas regardé celui du gameplay parce que il y avait des spoilers, donc voilà. Mais voilà, je connais, la seule chose que je connais sur le jeu, c'est l'écran titre. Donc j'ai vu qu'il y avait un récap. Je suppose que ça résume les détails de l'acte 1, donc à la limite on va regarder, hein. Alors, notre histoire commence comme toutes les bonnes histoires commencent, donc en 1994. Alors, jeu éclair, notre protagoniste qui adore résoudre des poèmes. Elle est attaquée donc par des mystérieuses créatures dans le manoir de son père, quand même pas mal absent, hein. Et alors, pendant que son petit frère Jude arrive à se barricader lui-même en sécurité dans sa cabane, Joey doit combattre monstre et après monstre pour dans une tentative désespérée de rentrer dans son grenier. Donc à l'intérieur du grenier, elle trouve un grand portail, donc verrouillé par une étrange clé qui a été donc en possession de feu sa mère, de sa défunte mère, quoi. Enfin bref, du coup une force inconnue la force à l'ouvrir et elle peut pas trop y résister, quoi. Et donc le portail l'amène jusqu'au monde extraterrestre d'Alternia. Le beau dans le cul dans une cave, donc cave, comment ça s'appelle, clutter, c'est cloisonné, où donc un portail sort, où il y a un autre portail, quoi. Donc afin de compléter donc le transfert intergalactique, le portail est aussi aussi déplacé, le transférer donc le garçon extraterrestre Damek à la vieille maison de Joe sur Terre. Donc Joe peut pas revenir donc au manoir de son père, étant donné qu'il y a un champ de force qui entoure donc le portail sort sur Alternia, et qu'il y a un timer, une horloge il y a un compte à rebours dessus, quoi. Alors, Joey trouve rapidement donc le meilleur ami de Damek, Xephros Trito, qui devient évidemment un allié de valeur. Un allié confiant. Elle apprend que la planète d'Alternia est entièrement peuplée d'enfants et d'adolescents qui doivent partir de la planète quand ils arrivent à l'âge adulte les troupes d'Alternia pour la guerre,
galactique se remplisse, quoi. Son nouvel ami Zephros, il fait partie de la plus basse, finalement le plus bas rang de couleur de sang dans l'Evo Spectrum. Un système de caste super qui est quand même pas mal prompt à la ségrégation et qui détermine tout comment tu vis. Ta vocation donc inévitable. Et en haut de l'Hémospectrum, c'est le sang, c'est Triza, la sang fuchsia, donc la seule héritière de cet empire galactique, et quand même pas mal brutal aussi, hein. Et sans aucun privilège, l'inverse. Ça, avec tous les privilèges, des ressources infinies et tous les drones militaires de la planète sont à sa disposition. Elle passe sa vie donc. C'est sa vie qui est quand même pas mal assurée pour le moment, enfin du moins pour le moment, à harceler à peu près toute la jeunesse parce que c'est rigolo. Malgré sa lâcheté innée, Zephros fait tout ce qu'il peut, il affronte vent et marée pour aider Joey à s'échapper du nid de Damek avant que Triza elle bombarde donc le quartier. Donc il affirme donc être évidemment sur une ligne sécurisée, hein, bien sûr, qu'il participe donc à la rébellion dans l'ombre du tétraque Damek contre l'Empire. Damek a plein de plans et encore des plans et sur des plans pour renverser le système de caste, hein. Et Zephros, ça le plaît beaucoup d'être un engrenage, finalement de faire partie du grand plan pour renverser les oppresseurs. Il suggère à Joey qu'il y a une de ses amies fan de son groupe. Elle saurait comment faire revenir Joey sur Terre. Et du coup les deux s'enfuient sur le Damek de Lusus, pour fuir le carnage de son quartier, de son larvier, de son larvier bombardé. Et donc du coup les rideaux s'ouvrent, la scène est prête, et les projecteurs s'allument, et l'acte 2 de notre petite pièce commence. Voilà! Donc là, c'est à peu près un résumé de tout ce qu'on a fait. Ça nous a pris 10 minutes. Et je pense que c'est parfait. Donc, du coup, c'est parti! Ah! Oh! On peut importer les saves de l'acte 1. Ça lag un peu, mais. Ah oui! Oh, ça peut être pas mal ça d'importer. 2020. C'est celle qu'on a fait pour eux dans le let's play, donc je suppose que c'est elle, ce qui signifie qu'on aura saucisse épurée. Alors, continue maestro. Ah oui, d'accord, donc j'ai eu un succès de genre parce que j'ai... Wester.
Alors, du coup, ouais, donc du coup, j'ai eu un succès pour parce que j'ai fait... Enfin, j'ai fait la continuité, donc on aura ceci, c'est purée. Et du reste, tu... T'y arrives? Ouais, ouais. Attends un moment. Oh là là. Alors, t'en penses quoi? Enfin, moi, ça me va, quoi. Enfin, ça pue un peu le... Ça pue un peu le cheddar, mais ça pourrait être pire. Ouais, ouais, désolé si j'ai pris un sale, quoi. Bon, essaye de garder moi ta capuche, quoi. Est-ce que tu penses que, enfin, ça... On va réussir à gruger les joutes, parce que la tige, étant donné que j'ai pas de corne. Eh bien, enfin, essaie de garder ta la tête basse, quoi, si tu peux. Ouais, ok. Enfin, je suppose que la prochaine question, c'est où est-ce qu'on va? T'as dit qu'on allait voir un de tes amis. Est-ce qu'il va un peu flipper quand il va me voir, hein? Oh yes, c'est enfin ça, c'est un des personnages qu'on sait que bah et oui, je sais plus si elle est mentionnée à l'acte 1 dans un trailer, bon, etc. Je crois qu'elle est connue, quoi. Cléa, je pense pas qu'elle aura vraiment quelque chose à foutre que t'es une extraterrestre. En plus, elle a plus de choses importantes à penser avec en ce moment, avec sa grosse fête. Eh bien, ouais, bah, je pense que j'ai du coup gardé. Je vais du coup essayer de chercher du coup un meilleur costume. Hein. Combien il y aura de gens à cette fête, hein? Ouais, sûrement plein. Enfin, c'est une sang violette, donc voilà, tu sais quoi. Non, j'en sais qui disait Zephros. C'est rien du tout. Ah oui, c'est vrai, merde. Alors, en gros, ce que t'as besoin de savoir, c'est qu'elle a quand même pas mal d'affluence. Enfin, à mon avis, la voix est très différente. Et ah oui, voilà, c'est plus ça. Pardon. Et que bah et que bah son moonboard. T'es vraiment un gros moyen de souffler pour nous. Je sais pas trop ce que une borse. Je crois que ça désigne son site internet, enfin son... ou alors son groupe d'amis, quoi. Bref. Mais enfin là en ce moment on devrait juste se casser là le plus vite possible, quoi. Avec tous les drones et voilà. Ouais, désolé pour ta maison. Et aussi, bah, le fait que t'as les os brisés. Ouais, non, ça va, je me débrouille, ça va. Je m'en sortirai. Superbe. Alors, oh putain, ah oui. Oh, mais c'est en plus, du coup, on a tout le stuff. Ah, du coup, il semblerait que vous êtes prêts à commencer votre quête. Si vous avez besoin d'aide, du coup, pour votre voyage, le bouton, donc, avec le point d'interrogation, sur votre interface d'utilisateur, il est là pour que vous l'utilisiez, quoi. Il y aura des indices accessibles au moment aux énigmes de votre histoire, quand le jeu sera donc du coup le personnage qui est actif, quoi. Hein, c'est qui a dit ça? Qui a dit quoi? J'ai dû entendre des choses. Attends, comment ça, toi? C'est comme la vidéo du JDG. Je suis une voix off, tu n'étais pas censé entendre ça. C'est exactement ça. Alors, si on trouvait des tickets de train. Alors. Elle est pas si mal après tout, hein. Elle a la bon chasseur. Meilleur ami. T'as la référence. Alors, il vous a servi de monture peu aussi longtemps et rapidement. Il a besoin d'une pause.
Ah d'accord, je croyais que c'était... Alors, il n'y a aucun intérêt à, du coup, à revenir en arrière. Vous êtes dans un nouveau monde. Mais pourquoi vous avez besoin d'aller dans le train? Oui, wesh. Alors... C'est le guichet, ça. De retour, bientôt. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire bientôt? C'est-à-dire quoi? Pourquoi est-ce que vous pouvez prendre le petit panneau de retour dans pas longtemps, hein? Tout le monde a pensé qu'il est fermé pour toute la nuit. Alors... C'est quoi, ça? On dirait des panneaux, des posters recherchés. Ah, ça c'est juste des brochures de propagande impériale. Enfin, c'est la basse technologie, mais un mec dit que l'héritière ne veut pas vraiment que les dissidents pensent qu'il y a quelque part où ils peuvent aller pour être en sécurité, quoi. Vous avez assez de trucs bizarres dans vos poches. Putain, d'ailleurs, on a encore les POG. Je viens de remarquer, on a encore les POG, putain. Alors, attendez. Alors, vous penserez pas qu'un portail arriverait à avoir une gueule de science-fiction, de trucs dans la science-fiction. Mais le portail, bah, il arrive quand même à avoir l'air d'avoir un truc qui sort d'un truc d'une œuvre de science-fiction. On va dire que vous avez besoin d'un ticket pour aller dedans. Cherchons un ticket. Alors, mon petit bonhomme. Il a l'air un peu stressé, ouais. Ouais, vous regardez un petit coup d'œil, enfin, vous regardez un peu plus près, et vous pouvez penser savoir pourquoi, quoi. On va parler aux trolls indigambistes, là. Allez. Ouais, à mon avis, c'est lui qui parle. Vu que ça bouge. Ouais, tu vas tourner dans le coma. Voice acting sur 20. Actor Studio. Non. Putain. Oh la voix. Non. Ouais, bah heureusement, parce que je veux pas t'attraper, hein. Arrête de gratter ta blessure. Bah là, c'est sûr que... C'est sûr que ça... Enfin, moi, je sais pas de quoi il parle, mais s'il parle de ça, c'est sûr que ça va pas repousser en grattant dessus, hein. Qu'est-ce que ton Lusis dirait, hein? Bah déjà, il voudrait rien, il dirait rien. Il est mort. c'est un cas hypothétique. Il est mort aussi, nous, bref. Souffleur de recoin. Mon dieu, est-ce que vous allez bien? Bien sûr, je suis une idiote, mais vous allez bien. Oui, non, ça va, hein. Des fois, bah, tu perds des trucs. Des fois une jambe. Des fois tu perds la personne qui t'a élevé depuis que t'étais une larve. C'est la vie. Ah ouh. Alors, ah oui, putain, faut choisir des choix. Good luck, I guess. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Est-ce que vous pouvez savoir où on a les tickets? Est-ce que vous saurez où on peut avoir les tickets? Ouais, c'est de la magie là-bas. Mais tu veux pas juste aller là-bas et l'utiliser, quoi? On doit faire quoi? Ouais, bah vous allez attendre jusqu'à ce que le mec chelou là dans le costume il revienne de sa pause. C'est le seul qui connaît l'astuce pour faire marcher cette putain de machine qui est défoncée là. Et je pense qu'il est dans le café, donc peut-être que vous voulez le convaincre de revenir, quoi. Merci, bon, on ira lui parler, quoi.
J'espère que... Enfin, j'espère que ta jambe va bien, quoi. Ah, bah... je pense que Nap, peu importe où elle est, elle va bien. Cette voix. Alors, du coup... Vous en savez certainement pas que vous avez du pognon et vous savez pas ce qu'on bouffe là-dedans. Il y a quand même pas mal de trucs dans le nid d'abeilles qui avait l'air d'être de la bouffe. Mais vous espérez quand même que ça n'en était pas. Oh merde. D'accord, très bien. Ah bah c'est super, je suppose, hein. Et on est où, là? Alors, la dernière chose dont je me souviens, c'est l'explosion. Et je pensais que j'étais mort, j'étais mort. Putain, mais c'est bon, il a des dents en moins, là. Il a des dents en moins. Touffy. Allez, dans le mec avec des trucs avec des dents, on nous a dû nous. Alors, déjà, je l'ai pas appelé Touffy, je l'ai appelé. Purée! Ça aussi, c'est l'usage de lui. Il nous amener ici en sécurité. Waouh! J'aurais jamais pensé que tu ferais quelque chose comme m'extraire de l'une des situations à la con dans lesquelles je me jette toujours. Je suppose que parce que Damek, t'es pas là pour te dire des trucs mieux, quoi. Et ces trolls là-bas, qu'est-ce qu'ils vont bien? On devrait les aider, on devrait pas les aider? Non, c'est bon, je pense qu'ils vont bien, les trolls, ils sont résistants. Regarde, je suis encore en vie, moi. Oui, si tu veux, mais alors, mais ton Lusus, il était pas genre derrière nous? Ah là là! Un bombardement par drone, c'est rien quoi, je suis sûr qu'il trouvera le chemin jusqu'à. Le chemin jusqu'à la maison pour m'attendre. Alors on devrait avancer, non? Ouais, mais on va où là? Oh bah je sais pas, j'ai jamais été aussi loin du quartier. Moi j'ai jamais été aussi loin de ma planète en fait. Ouais, aucun d'entre nous, bah c'est rien quoi. Eh, c'est pas totalement vrai. On sait peut-être tous les deux rien. Enfin, c'était le jeu. Peut-être qu'on pourrait savoir quelques petits trucs. Donc, si on réfléchit ensemble, bah on saura assez quoi. Allez, ça va sûrement marcher. Alors en fait, je suis pas trop sûr. Pour sortir de là, on aurait besoin de savoir où on est et où on va. Et le seul moyen de savoir ces deux choses, c'est d'avoir une carte. Ou alors si on pouvait utiliser les constellations pour nous guider. Et est-ce que aucun de nous peut faire parce que t'es une extraterrestre et moi j'ai un peu con. Bon, on va sûrement être perdu pour toujours. Donc je pense que. Alors, attends. Donc je pense que ce que tu as dit est un exemple de savoir mettre les mots dans n'importe quel ordre que tu veux, ça rend pas forcément vrai. Mais c'était cool quand même. C'est moi, il y a des textures qui bug, là. Ou alors c'est juste un moyen. Ah non, à mon avis, c'est moyen de faire bouger l'eau. Bon. Alors, tu sais, pourquoi est-ce qu'on regarderait juste pas les environs avant d'abandonner, quoi? Ouais, c'est une bonne idée, quoi. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, je suis un peu trop idiot pour avoir des plans comme ça, moi-même. Ouais. Ouais, effectivement, c'est bien les mouvements. Bon, en attendant... Alors, il y a d'ailleurs des trucs cool ici.
Alors, j'ai une petite idée d'où on est. On est né que j'ai joué au Frenzy, hein. Mais je sais pas totalement où on est. Donc, en attendant, étant donné que je rentre dans mes temps, on va se quitter ici. J'espère qu'en tout cas c'était sympa. J'espère que le voice acting vous a plu. Et donc du coup, moi, je suis pressé de continuer la suite. Et on se retrouve dans quelques instants. Donc je vous dis, salut !